Steven! Tu vas pas me croire, j'ai plus mal au bide, je suis guéri. Par contre, on ne peut plus rentrer dans les chiottes, il y en a partout. Merde! Allez! Patron, patron, on a un problème, il faut qu'on vous parle. Du dossier Georges Abitbol? Non, les chiottes, Peter les a bouchées. Ce n'est pas de ma faute, patron, j'étais malade. Ça doit être les burgers. Bon, on arrête les déguisements, hein. C'est que des emmerdes. Le journalisme total, c'est totalement con. Allez! Patron, patron, il faut qu'on vous parle, vite. Vous voulez me parler des chiottes, peut-être? Non, on veut vous parler de l'affaire Abitbol. On veut laisser tomber nos déguisements, on en a marre. Comme vous le sentez. Allez! Patron, patron, il faut qu'on vous parle, vite! Vous savez que Georges sort de mon bureau. Rien à foutre de ça, le plus important. Georges Abitbol est vivant. Bien vivant. Bien joué, les gars. Allez! Patron! Patron! Il faut qu'on vous parle, vite! On veut savoir si on peut prendre notre après-midi. C'est-à-dire qu'on a un plan, là. Attendez, les gars, je sais pas encore ce que veut dire monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, Medev est parti chercher Georges. Comme ça, dès qu'ils reviennent, on demande à Georges d'expliquer monde de merde. Ok, les gars.